Bonjour mes petits camarades, nous sommes aujourd'hui le jeudi 4 mai 2023, il fait un super beau soleil, il est 8h du matin et je suis déjà dans les bois et je marche déjà depuis un moment. Hein. Voilà, la vie est belle et puis c'est tout. Et regarde s'il n'est pas bien là-dedans, dans son trou d'arbre l'anarchiste. Quel arbre, mes petits camarades, je viens de m'asseoir là-dedans. C'est magnifique, hein. Ah oui. Ah, dis donc. Eh bien, on continue après ce bel arbre. Eh bien, j'ai trouvé un bel endroit pour manger ma petite pomme. Et oui, une bonne petite pomme, enfin une petite pomme, une grosse pomme quand même. Hein. Près de l'eau, comme ça, sur un tronc d'arbre, elle est pas belle la vie. Ça, c'est une journée de printemps au moins. Il y a du muguet des bois, mais il n'est pas encore sorti le copain. Hein, il est en retard. Oh, ça c'est magnifique ça. Ça, tu peux pas mieux. Hein. Eh bien, j'ai trouvé un beau petit coin pour casser la route, là. 4 heures de marche, hein. Punaise. Œuf dur. Il faut des protéines. Alors, quand tu t'arrêtes pour casser la route, ça fait la deuxième fois que je m'arrête aujourd'hui, hein. Entre ce matin avec la pomme, et puis ce midi avec mon casse-croûte des bois, tu dois te dire que peu de route pour rentrer, copain. Eh oui. Eh bien. Les protéines, ça. Non. C'est un bon petit bout de pain. Un petit fromage de tête des Ardennes. Hein. Le goût de l'authentique, il y a de tout là-dedans. Il y a de la tête, il y a de la langue, il y a de la joue, il y a des échalotes, il y a du persil, il y a de l'ail. C'est magnifique, c'est un produit de par ici, des Ardennes. Et franchement, c'est super bon. Ah, regarde ça. Oui, mais enfin, t'as pas l'odeur, mais je peux te dire que... Oh, punaise. Ah oui. Et puis, alors, le fait de l'avoir gardé en glacière, elle est bien fraîche. Regarde-moi cette belle tête. Belle tête de cochon. Oh, punaise. Oh la vache. Oh non, le dos. Oh la vache, avec un bon bout de pain ici. Regarde-moi ça, camarade. En fromage, je me suis pris un vacherin fribourgeois. C'est entre le vacherin et le Fribourg. Voilà mon beau morceau de vacherin fribourgeois. On va goûter ça. Mmh.
En fait, ça donne un côté moelleux au Fribourg. Alors oui, j'ai aussi mis une petite bouteille de flotte là-dedans, comme ça elle est bien fraîche. On va d'ailleurs s'en taper un bon coup, les copains. Ah ouais, j'avais soif, les petits copains, j'avais soif. Et alors, pour finir, parce que j'aime ça, et puis que ça me donne des forces, ça c'est bon, ça, pour marcher, pour tout ça, là. Bon, tous ceux qui vont au restaurant chinois, ils connaissent, c'est du gingembre confit. Les gingembre, j'ai toujours aimé ça.